Et ça fait, apôtre Paul a dit avec Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la parole de Dieu, qui ça le fait? L'île là pour la corriger, pour la façonner, pour la raffiner. C'est ça qui va permettre de marcher dans la consécration, oui. La parole de Dieu a montré, mais ça n'a pas bon envie. Ou par contre, nous avons une dimension de révélation que nous recevons dans la parole de Dieu. Ou pas qu'il y ait de l'eau dans les yeux. Ces paroles-là qui aident à me conformer vim parce que c'est constitution à yom, non. Bon, si je ne lis pas la Bible, quand je vais une révélation, hein? Si je ne suis pas dans le logos, quand je vais trouver le rhéma. Dernièrement, je pense avec histoire ça. Je pense que j'ai une période, grand bien-aimé, je suis toujours à communiquer avec lui. Et puis, pendant ma palavel, dans la communication à faire, je sens que c'est un frère qui lit la Bible de Genèse à Apocalypse chaque année. Ça a été plusieurs années passées. Puis, le ça, moi-même, je même l'île de Genèse à Apocalypse. Et puis, le ça, je sens que j'ai un orgueil qui prend. Je dis, oh, dans les endroits qui parlent, oui. Je dis, pour bien aimer, lire la Bible de Genèse à Apocalypse chaque année, elle fait plusieurs fois. Moi, je suis en l'île. Comme je finis de dialoguer avec elle, je prends une décision, je commence à lire. Je commence à lire pour me sortir dans Genèse, arriver dans l'Apocalypse. Et je commence à faire tout, je répète. Donc, je prends une exemple pour me dire que, faut nous gagner un engouement pour nous lire la parole de Dieu. Et on ne peut pas mener une vie de consécration sans la parole. Ça, c'est impossible. On ne peut pas dans la consécration sans la parole. La parole de Dieu, elle doit être à la base. C'est lui qui doit faire autorité. La parole de Dieu. Et pendant que je lis la parole, je vais besoin de révélation. Et je suis bien aimé. Frères, nous sommes dans le Seigneur. Il y a des niveaux arrivés dans la vie. Où c'est en révélation que tu es joué dans la caille de Dieu qui a Kimbo. Oui. En révélation, tu es joué dans la caille de Dieu. Regardez. Même si tout le monde a couru aller ou même obligé d'être là, nous jouons en révélation. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Une révélation fin joine. Même si en pile ça t'a ravine dans le monde, t'a ravine pour râler. Ou ap camper, ou ap de distance me rivé. Me senti me pas ka tourner. Mais fort dans la parole ou abli pour joindre de révélation. Et il y a la parole incarnée. La parole incarnée qui est Jésus-Christ. Si nous allons lire le psaume 119, verset 11, verset 5, qui parle de la parole. Et le psaume 119, il y aurait les liens hymnes à la parole. C'est un somme en pile moun peur. Et en pile fois aller en prédicateur prêcher langue yo di moun ça son somme 119. Nous va entendre ça. Yo di moun ça son somme 119 parce qu'elle langue. Mais son somme qui tellement riche. Sou commencer l'île. On prend plaisir là-dedans. Son somme qui goût. Somme nan délicieux, le somme 119. Il y a de boulot qui en dans somme ça. C'est pas extraordinaire.
Et deux versets, si tu es là pour vous, c'est le verset qui est plus connu dans le psaume. Verset 11, verset 105. Là. C'est deux versets qui sont plus connus dans le psaume. Mais toutes les psaumes sont richesses. Bon, toute Bible, c'est richesse. Quand on parle de psaume 119, là, on dit ça. Son richesse extraordinaire. Jean chapitre 1, verset 1, parlez-nous de la parole incarnée. Au commencement était la parole. La parole. Et maintenant, était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans le verset 13, dans même Jean 1er, on nous lit pour nous ça le dit. Ça, c'est la parole incarnée. OK. Non, non, c'est pas le verset 13. OK, on va retrouver ce texte là. OK, c'est pas verset 13 là, verset 13 des noms du sang etc. OK, c'est verset qui dit côté que parole l'a fait chair. OK, verset 14, très bien. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci beaucoup. C'est le verset 14, pas le verset 13. La parole a été faite chair. Donc c'est trois dimensions dans la parole là. Parole bon Dieu, c'est un premier élément pour permettre que nous marchions dans la consécration. Deuxième élément, peut-être que nous avons un élément, nous avons quitté le reste là. Deuxième élément, c'est la prière. OK, pour la parole, nous n'avons pas de bas où Apocalypse, Apocalypse 19, verset 13. Pour la parole. Et Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17, elle dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Deuxième élément pour permettre qu'on marche dans la consécration, c'est la prière. La prière. On nous dit la prière. On va attendre l'église là. On nous dit la prière. On nous dit la parole. La prière, souvent, est définie comme la respiration de l'âme. C'est une définition très courante que vous avez à la prière. La respiration de l'âme. Qui est-ce qui est arrivé avant là si vous avez bouché nez ou vous bouché bouchou? Vous avez tout fait. Vous tout fait, ça qui passe. Vous mourrez. Pour qui vous mourrez? Parce que vous avez respiré. Est-ce que m'oblige de dire rien sur la prière encore? Quand on voit ça qui passe en chrétien qui pas prier? Est-ce qu'on voit ça qui passe en chrétien qui pas prier? L'église mondiale avant, oui? Ça qui passe en chrétien qui pas prier? Son chrétien qui asphyxié spirituellement. L'asphyxie, c'est la mort provoquée par manque d'air. Un chrétien qui ne peut pas prier, c'est un chrétien qui asphyxie spirituellement. Si la prière, c'est la respiration de l'âme, aidez-vous pas à respirer, vous allez mourir. Donc, un chrétien qui ne peut pas prier, c'est un chrétien qui mourit.
Si pas gain la vie sans la respiration, il y a pas de vie chrétienne sans la prière. Si l'église a compris ça. Il y a pas de vie chrétienne sans la prière. Et n'ta regarde dans cette vidéo côté que gain de chercheurs qui montrent que il y a un monde qui malade que médecin soit à soumettre li à un traitement, moun sa guéri puis vite s'il a prié. Et chercheur yo t'a montré que l'a prié, on série de neurones dans cerveau qui en mouvement, qui activé, c'est un bail puis mon scientifique. Pour montrer que même du point de vue physique, la prière gagne efficacité. Il y a un monde qui pas prier, il y a un chrétien qui pas prier, c'est un mort. Peut-être que me demande chaque qui l'a prier. Gen monde depuis yo gen problème yo dans la prière. Les bagay yo pas marché pour yo, yo dans la prière. Y a frappé. Mais depuis quand il a gen cob, depuis qu'il a écouté tout ça, il a fait, il a marché, pas gagné la prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. Chaque qui l'a respiré. Chaque qui l'a nous respiré. Nous respirons en permanence. Ça fait à peu près pour dire prier. Prier sans cesse. Si la prière c'est la respiration de l'âme, me respirer sans cesse. Donc ma prier sans cesse. Est-ce que ça t'a veut dire prier sans cesse? Ma chaîne dans l'arrière là, me ferme un deuxième et puis gain machine, gain moto. Oh Seigneur Jésus, merci pour grâce ou oh alléluia alléluia. C'est ça que prier sans cesse? Eh bien, l'autre ma chaîne dans l'arrière, deux yeux fermés, deux mains en l'air, on doit prier sans cesse, ça la Bible a dit. On machine pau. Quand on va dire que la Bible a pas menti. Parce que la Bible a dit prier sans cesse. Je suis un maestro qui a toujours dit chaque fois que je vais dire ben, on a prié. Ah, Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans verset 5, là, on commence, il dit, lorsque vous priez. Dans verset 6, là, il dit, mais quand tu pries. Et dans verset 7, là, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Qui remarque nous fait? Dans verset 5, il dit, lorsque vous priez. Dans verset 6, il dit, mais quand tu pries. Dans verset 7, il dit, en priant. Qui remarque nous fait? Pas gain aucun côté dans verset, il dit, mais si tu pries. Pasteur dit son impératif. Mais quand tu pries, lorsque tu pries, il n'y a pas de si. Ça veut dire quoi? La prière n'est pas une option pour le chrétien. Ça me comprend ça me dit. La prière n'est pas une option, mais c'est une obligation. Il y a quelqu'un qui comprend ça me dit. La prière n'est pas une option.
Ça veut dire que ce n'est pas choisi, m'a choisi, me fait ou bien m'a pas fait. Même obligé. Mais quand tu pries, lorsque tu pries, ok, il dit, entre dans ta chambre, etc. Ferme ta porte. Ça, c'est l'autre enseignement. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Est-ce que ça t'a veut dire que les m'a pris dans la chambre, moi, ça n'a pas prié? Et pas ça, verset, il dit. Très bien. Je ferme la porte de mon cœur. Prière, pas une option pour les chrétiens, je le répète, c'est une obligation que lié. Et me dit à l'heure, si vous pas prier, ou mourir, parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. On lit Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'était passé? Le ciel s'ouvrit. Pendant la prière, ciel là, l'ouvrit. Lorsque nous prions, nous ouvrons le ciel là. Et un homme de Dieu qui prie fonctionne sous un ciel ouvert. Quand on prie, on fonctionne sous un ciel ouvert. Vous comprenez ce que ça veut dire? Fonctionner sous un ciel ouvert. Une relation étroite entre le ciel et la terre. Une va-et-vient qu'a fait entre le ciel et la terre. L'homme a prié. Même Jean-Jacob, tu es échelle là. L'homme a prié, c'est dans une dimension qu'on s'amiait. Une relation entre le ciel et la terre. L'église prie. Prie. Mais exhortez-nous, prier. Prier. Parce que la prière ouvre les cieux. Si vous voulez fonctionner sous un ciel ouvert, prie. Prie. Et il y a des hommes de Dieu qui disent tellement qu'on a prié, je ne veux qu'on fait conne. Évangéliste, leur on parlait de prière changer bas. Gide prière fait ses prières changer bas. Lorsque vous bas ça, ou ap jemi sous bas ça fatigué ou viré sous l'autre bas. Qui dimension de monde qu'on veut pour bon Dieu? Dans qui dimension vle bon Dieu joint nous?
Dans quelle dimension voulait bon Dieu utiliser ou? Dans quelle dimension voulait un instrument puissant entre les mains de Dieu? Acceptez de payer le prix en menant une vie dans la consécration. Prie. Prie. Je ne vais pas parler de gens qui prient les gens problème. Moun ka prier les kay pa ka payer. Moun ka prier les petit yo pa ka à l'école. Si c'est une vie de prière qu'on ça va mener, ou besoin reconstituer vie de prière. Ou pa ka prier les bagay yo pa aller bien. Alors quand on te dit qu'on t'y aller mieux qu'on y a mettre la prière de côté. Oh non. On nous lit Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ouais, on dit persévérez. Persévérez dans la prière. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, là, il dit priez. Sans cesse. Et si nous regardons dans Luc chapitre 5, verset 15-16, nous avons côté Christ. Jésus lui-même, c'est un modèle. Luc 5, verset 15-16. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre. Et pour être guéri de leur maladie. Dans verset 16, il dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pendant que nous venu en foule pour être guéri, qui ça Jésus-Christ fait lui-même? Il retire. Là, dans le désert, là, il priait. Là, dans le désert, là, il priait. Pour mener en vie dans la consécration, il faut qu'on accepte pour payer prière. Il faut qu'on sacrifie. Sacrifier tête, sacrifier intérêt. Un serviteur d'attendre qui dit chaque matin qu'on est levé pour la prier. Je vais le montrer dans la dimension sacrifice. Il dit, le lève dans le matin. Des fois, la prière dormi prend. Il rentre dans la douche, il ouvre le robinet, l'eau a tombé sur lui, il a prié. Pendant que l'eau a tombé sur lui, il va dormir pas après. Ah, ou qu'a trouvé ça rigolo. Mais son dimension de sacrifice. Il y a une obligation chaque matin pour le lever pour le prier. L'élève la prier, dormir, apprendre, ça le fait lorsqu'il est dans la douche, il l'ouvre, il robinet. De l'eau à vider sur lui, il a prié. Elle nous dit la prière. La prière. John Wesley a fait une déclaration. John Wesley dit. Il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. Est-ce que vous entendez? John Wesley dit, il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. Bon Dieu baille la terre, mettez la terre sous la domination de l'homme. Bon Dieu bénit nous. Bon Dieu mettait la terre sous domination, l'homme. Soit dans Genèse, au moins le bon Dieu finit de créer, il dit, moi mettez là, c'est pour dominer. Mettez dans ça qui passe. L'homme a prié, puisque bon Dieu baille la terre en tant que le fief de l'homme. La terre, c'est le fief de l'homme.
Donc, l'on prie ou baille bon Dieu autorité pour agir sur terre. C'est quelqu'un qui veut que moi ça me dit. Ou baille bon Dieu autorité pour agir sur terre. Parce que bon Dieu bon la terre déjà comme fief fou pour dominer. Est-ce qu'on connaît son dominateur? Nous connaissons ça? Nous sommes des dominateurs. Bon Dieu place nous pour nous dominer. Et là, on prie, ou bien bon Dieu accès. Et vous prédirez l'homme de l'État, dit que bon Dieu peut pas agir sur la terre comme ça sans passer par l'homme. Bon Dieu tape illégal. Bon Dieu tape illégal si David agit sur terre sans passer par l'homme. Parce que l'homme domine la terre. Ou pas capable de dominer nos cailles. Et puis, quand il y a pour rentrer au point que vous rentrez, il faut demander. Et ça fait me river rejoindre John Wesley qui dit: il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. L'on a prié, bon Dieu a agi. Nous activer les actions de Dieu sur la terre. Ou est-ce que vous avez les gens nous baillent? C'est les gens qui nous baillent. Le prier, c'est pas mettre bon Dieu au courant. Bon Dieu connaît déjà. La prière n'est pas une information à Dieu. Ce n'est pas informer bon Dieu. D'ailleurs, il est omniscient. Mais m'a activé les actions de Dieu sur la terre. Et pas qu'il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés font un pacte sans la prière. Il n'y a pas d'impact spirituel sans la prière. Avec la prière, nous arrivons à transformer Haïti, oui. Nous arrivons à transformer Haïti. Premier élément qui est nécessaire pour marcher dans la consécration, c'est la parole de Dieu. Deuxième élément qui est important pour marcher dans la consécration, c'est la prière. Troisième élément, c'est le jeûne. On a fini le jeûne, on a campé. Le jeûne, il y a un autre élément important pour marcher dans la consécration. Le jeûne. On nous dit le jeûne. Le jeûne. Il y a jeûne, il y a jeûne. OK? Donc, moun ki nan 19 ans, 20 ans, 25 ans, yo, ce sont des jeunes. Mais ça n'a fait à l'aliser le. Le jeûne. Bamzou. Ou est-ce qui veut marcher dans la consécration? Il ne va pas jeûner, non? Il ne va pas jeûner. Pour qui ça? Parce que, il y a des choses qui ne révèlent pas pendant qu'on passe au dire bonjour. Bonjour Seigneur. Bye bye. Ou allez. Mais bien aimé dans le Seigneur, ou pas qu'à tout temps. Oh Seigneur Jésus, compte toute bagaille. Je n'ai rien à mon amen. Chaque jour, vous le constatez? Non? Oh Seigneur, merci pour journée. Quoi, fatigué? Amen. Nuit en amont. Ou seulement passer, ou dit Seigneur, on dit. Salut. Ou fait bon Dieu un petit coucou. Et puis c'est fini. Est-ce que il y a des bagages là bon Dieu qui t'en pour le dou? L'homme gros ami par exemple. M'a pas gain temps pour me balazer ami. Nous seulement passer me faire bye bye. Même si de la grand bagage pour l'expliquer. Il pas qu'à expliquer ni là dans l'atmosphère ça. Mais l'homme vient là caili. Li bam chaise. M'chita. Li bon ti de l'eau, bon ti jus, bon moins.
nous commence à parler. Ah, depuis longtemps, depuis qu'il joue nous pas, ouais. Comment y est, etc. Ça réglé, nous commence à parler. Le ça n'en parler. Là, dit, ah, mon cher, quand même tel bagage pour m'expliquer ou tel bagage pour dire ou. Ça fait quelque temps qu'on y a expliqué ou. C'est de même pour le chrétien. Le jeûne, c'est un temps de mettre à pas pour me seul avec Dieu. Loin de la foule. Moi, je me dis ça. Loin de la foule. Maintenant, quand on a le même temps à pas, quand on a, bon Dieu, il y a espace devant le boule parler avec moi. Je ne pas seulement passer dire un petit bonjour, mais je me chita avec elle. Je dialogue avec elle. On nous prend texte ça pour moi s'il vous plaît mon gars écrit 2 Corinthiens 11 verset 27 Dans ce texte Paul nous parle de jeûne multiplié 2 Corinthiens 11 27 On nous prend acte 13 verset 2 3 Matthieu 6, versets 16 à 18. De Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au foie et à la nudité.